Hey, salut les fous! C'est Fred, en direct de chez eux. Fait que, on y va pour le break 81. Si le mini s'est rempli, 2 secondes, il restait 3 spots, j'allais voir, il restait un, finalement, il restait plus. Pas pu faire de deuxième mini, pas grave, si on passe ça. Oh la machine, 4 belles boîtes. 4 belles boîtes, Tyrian 2021, SP Authentique 18, non, 1920, Ultimate 1920, Chronologie Volume 2, donc cette année. Incroyable! Et vous aussi, vous direz c'est incroyable. Check mes shoes. Bisous, bisous. Hein, bisous, bisous. Bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. Bon, ok. Donc, salut Nicolas en passant. C'est pour répondre à tes bisous là, que tu fais à chaque fois que tu viens. Donc, fais ça chez nous. Fais ça chez nous. Fais des petits montages. Si tu faut vous autres. Un peu de sel, laisser un peu de poivre. Ok, donc on y va, on va faire le random pour commencer ça si on veut le finir un moment donné. Et on va y aller. Il faut bien que j'entraîne un roll dice, hein. J'allais oublier les dés. Donc les dés ils me disent de le faire 4 fois, puis 4 fois c'est le minimum. Donc on y va quand même, c'est le minimum. Donc, ça va être moins long. Ça va être moins long. Donc on y va. Final round. Brian, on y va, on va décoller. Et on sait que Brian Therrien a des docks, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une autre bonne équipe. Est-ce qu'il y avait 2 spots? Donc, si on fait du on les met en gros ici. Brian Therrien, hein? Anaheim, David Vient, Arizona, Boston Bruins aussi, Charles Bélanger, Buffalo, je sais que tu as 2 spots en passant, puis je vais même les marquer ici pour être sûr. Ensuite, Kenny Thompson, premier des 2 spots, les Flames, Simon Bédard, la Caroline, Chicago pour Maxime Boulin. Marianne, excuse-moi, Maxime, Marianne Shorty, Shorty ici. It's my birthday. Puis donc, Simon Bédard, la Caroline, Marianne, Chicago, Colorado, Mathieu Bourdeau, Brian Therrien, Columbus, sa deuxième équipe. Monsieur Jean-Sébastien, Villeneuve, Dallas, Détroit, Sébastien, Brossard, Simon, la première, ses 3 teams. David Jalbert, le gros team, Edmonton, la Floride, JP Fauché, David Bernard, son deuxième spot, LA King, Phil Grenier, Minnesota, Sonny Dubé, gros team pour Sonny, Canadien, Nashville, Dom Caron qui sera pas content. Hein? Ensuite, on va checker ça, on continue. Yann Larouche, les Devils, hein? SP Authentique, une petite signature, là. Future Watch, après ça le fun, hein, de Monsieur Jack Hughes. LP Leblanc, les Islanders, les Rangers, David Bernard, Nick Bélanger, Ottawa, Philadelphie, Sébastien Brassard, Simard, Nick Bélanger, deuxième spot, Pittsburgh, San Jose. Good job, Jeff Fauché, je te souhaite bonne chance. Kenny Thompson, Saint-Louis, Tampa Bay, Marianne, Charles Bélanger, deuxième team, Buffalo, Toronto, Vancouver, Sébastien, son dernier spot. SBS, David Nadeau-Vegas, Gabriel Charron. Gabriel Charron se retrouve avec Washington et Maxime Gaudreau avec les Jets. Hein? Tous les deux. Les deux derniers ont gagné ça dans le mini. Donc, félicitations. Hein? Et on va aller tout de suite. Là, on va s'en aller au live scene, les chums. Live scene. Bienvenue chez Fred. Ouais, c'est chez moi, ça. Et là, on va aller faire ça de même. Je vais changer mes affaires de place parce que là, sinon, moi, j'aimerais pas ça, je le sais. Et on met ça ici. On met ça là. On agrandit ça. Je sais, je sais. Je fais ça vraiment vite. Je ferai ça vraiment vite. Je m'excuse, Jean-François Fouché. J'ai dit Fouché encore. Probablement que je suis pas le seul qui fait ça, là. Je m'excuse. C'est juste que je suis stressé. C'est comme si j'étais à la TV, TVA Sport. Il y a plus de codes d'écoute ici qu'à TVA Sport, en même. David Morissette a cassé 33 auditeurs. Faut pas bien, faut pas bien. Défilement, défilement, défilement. On met ça. Right on les chums. Et là, vous devriez le voir maintenant. Ok, donc là, ça c'est un peu gros pour moi. C'est un peu gros pour moi. Le film est un peu gros. Le métal est un peu gros pour moi. Fait que je vais juste le ratisser comme ça. Et voilà. Donc, où je le tasse comme ça. Ah, je pense que je vais le tasser de même. Quatre barcanés de votre nom, là, les boys. Vous êtes capables. Ok. Et là, on va commencer. C'est marqué Break 72. Ça aussi, je vais changer. Tabarouette, Fred. Quelle organisation. Quelle organisation. On revient pas. C'est trop organisé, le boy. C'est trop fort, le gars. Tabarnak. Hein? Et voilà, c'est changé. C'est fait, fait. Et voilà. Donc, est-ce qu'on va commencer? On va commencer, bien sûr, avec la série 1. Ensuite, on va aller dans la SP parce qu'on va essayer de fournir nos autographes. Puis ensuite, on va faire la Ultimate et la chronologie. Donc, on va vous montrer les beaux codes, si pour être certain. Là. Donc, la trilogie 10-50, 15-27 pour la Ultimate. Et la SP Authentique, c'est 6-95.
Je mets ça de côté. Et on commence avec cette belle boîte. Donc, j'ai pris deux spots et j'ai gagné un mini. Ben oui, Yann Larouche. T'as gagné dans le miroir, t'as trois spots ici. Solide. Yann. Ouais, ben j'ai mirqué deux. Deux secondes là. Yann Larouche qui me dit qu'il a acheté des spots, mais là, visiblement, ça a pas marché. T'as peut-être acheté pour d'autres choses, je vais aller voir. Ouais. Hein? Pas bien dans ce temps-là. Y a-tu quelqu'un? Ben, je vais checker voir si. Yann, je pense que t'as. Sinon. J'ai pas de commande à Yann Larouche. À part le mini. Bon, et voilà, je savais, esti. J'en fais des erreurs, là, mais ça, là, pas de même. Avez-vous vu ça, là, j'ai décidé de laisser mes cheveux aujourd'hui. Hein? Mes beaux cheveux de prince. Hey, on va avoir un employé, probablement, là, qui va travailler pour nous. Donc, on a bien hâte, esti. On a bien hâte. Fait que là, ça va rouler en tabarnak, nos affaires. Ça va rouler, est-ce la boutique? Oh my god. Attends une minute. Voilà, ok. Fred avec cheveux, bien sûr. Donc, j'ai réalisé pourquoi les gars avaient l'air. Tu sais, mettons, les gars qui ont l'air jeunes, là, souvent, là, comme moi. Parce que j'ai seulement 35 ans. Et toutes mes dents, c'est parce que j'ai des cheveux aussi. Parce qu'on dirait que tous mes amis, là, ici, font toute la calvitie. Fait que ça vieillit, ça, un gars, hein. On dirait qu'à 30 ans, c'est rendu une denrée rare, les cheveux, leur nez. À défaut d'avoir des gros muscles, moi, j'ai des cheveux. C'est ça. Donc, il veut un rappel de bisous, Nicolas Bélanger. Nicolas Gaudreau, on va lui donner, leur nez. Sébastien, notre boutique est située à Saint-Sauveur-des-Monts dans les Laurentides, tout juste en bas de la montagne. Pignon sur rue, sur le chemin du Mont-Avila 690A. Chemin du Mont-Avila. Ok, donc ça, je vais mettre les paquets ici. Regardez ça, je me suis fait d'autres astuces à faire avec des collants. Maintenant, c'est qu'on est ça à coche, tabarnak. Et on y va. Et voilà, comme Gatslam, effectivement. Gatslam, le chauve. La crise qui est chauve. Un peu comme Matthews. Yes, merci Nicolas. On essaie de faire comme. Parce que qu'est-ce qui arrive là, c'est que. Les boutiques de cartes ont mauvaise price dans nos têtes parce que. Tu sais, ça revient à mode là. Fait que. Tout ce qu'on se souvient de comme des cartes qu'on a vues, c'est comme des marchés aux puces, man. Puis l'autre, c'est quand même, on essaie d'être plus Young Gun. Vous comprenez? Ok, donc on y va. Let's go. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut. Yep, top to you, New York. C'est ça qu'on veut. On veut une petite New York ici, là. Mais on veut pas n'importe laquelle New York, on veut la Laffy Taffy. Bonne chance à tous. On commence avec une petite rookie rétrospective ici de Capo Caco pour les Rangers. Donc j'ai callé New York, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu une team de New York et on va continuer. To you, New York. On a Winnipeg, donc une petite Connor Hellebuyck, Beauty Canvas pour Winnipeg. Et là, moi, je vais me placer pour mes hits. Je vais les placer ici, mes hits. Et voilà. OK. Donc, Canvas, Winnipeg. New York qui appartient à qui, man? New York, les David Bernard. Donc, on tout une petite
une petite Laffy. Ça commencerait bien la soirée. Yo, Flyers égare Zamula. Donc la première gun va à Sébastien Brassard Simard. Donc je vais placer ça de même. Je vais me placer un sleeve. Donc aujourd'hui on était fermé, mais il y a des gens qui sont venus quand même, mais on était là, fait que on a ouvert la porte, hein, même si on était fermé, c'est notre journée de tri. Et demain on est fermé encore, c'est notre journée, mais on est encore là, fait que si vous venez, on va vous répondre. Mais si on n'est pas là, on peut pas chialer. Mais on est supposé être fermé, mais on est tout le temps là pareil. Quand on est fermé, on fait du tri. Et demain, on fait le shipping. On va sûrement passer à travers toutes les deuxièmes chances. Là, man, on en a pour. Je pense qu'on va avoir à peu près 700 pièces à donner. Là, la deuxième chance. Sébastien Aho, la Caroline Hurricanes. Yuli Portrait. Kevin Deschênes qui ne s'attendait pas à ça. Alex Belzile, le Canadien, Young Gun. Donc la deuxième Young Gun. Ça va directement chez Sony Dubé, fidèle client. Qui a acheté un petit kit en plus là, que j'ai fait pour les enfants. Petit cartable 2021 avec une petite, un petit case de série tin. Série 1 tin en métal que j'ai mis 50 bases dedans avec une petite carte spéciale. Là, qui, avec un cartable, avec des feuilles dedans, des sleeves, un paquet de sleeves dans la petite affaire métallique. Petit cadeau là, un petit kit là, pour Noël, un petit 15$, 10-15$ bien investi, puis commence sa collection. Dazzler, Matt Duchesne, ancien porte-couleur, l'Avalanche et Team Canada. Ben oui, Matt Duchesne, Team Canada. On avait peut-être oublié, mais il a fait ça. Nashville, Dom Caron. Matt Duchesne, c'est pas mal celui que tu veux hit quand t'as... Quand pas, c'est Nashville. It's up to you, New York, New York. Yuli Portrait Vegas pour Patchouli, David Nadeau. On salue d'ailleurs. Bonjour David, si tu nous écoutes. On a une petite Young Gun ici. Est-ce que c'est une Young Gun ou une jeune? C'est une Young Gun. Et est-ce que c'est les Stars de Dallas avec Ty Dellandrea pour les Stars de Dallas? La troisième, donc on est rendu à la moitié des Young Guns, à moins qu'on ait une petite Clear ou une petite Jeune Loup ou une petite Canvas. Hein? Parce que. Il les compte pas dans les Young Guns, dans le fond. Fait que, on en a 6 par paquet. Puis regardez ce que je vais faire. Regardez ça. Je me suis fait un petit setup là, pour que vous puissiez voir mieux les cartes. Hein? Hein, c'est pas beau ça. It's up to you. Oh shit, cop. Oh nice, nice hit. New York, ben oui. It's up to you. New York! Alright! Hey, Cup Component ici, Mike Richter en 94 lorsqu'on gagnait la Coupe Stanley avec nul autre que Marc Messier qui avait dit qu'on y allait gagner le match numéro 6. Il perdait 3-2 la série. Il a dit on va gagner le match numéro 6. Qu'est-ce qui est arrivé? Victoire! Marc Messier, Mike Richter, nice card. Super belle carte, ça. Cup Component. C'est un hit, est-ce que c'est? Et c'est sûr que je vais me faire. Cette vidéo-là va se faire banner. Trop de chansons. Mais moi, je me dis que ça met de l'ambiance, est-ce que, quand je mets de la petite musique. Mets de l'ambiance avec ma petite musique. Vous allez voir que c'est différent la musique chez nous puis au bureau. Quand les breaks sont là-bas, on n'a pas les mêmes. On a un pad les deux, mais on n'a pas les mêmes gifs puis on n'a pas la même musique. Donc j'ai de l'oreille bouchée. Oh.
David Bernard. Félicitations, David. Elle est à toi, cette carte-là, David. Puis, je suis tellement habitué maintenant d'ouvrir des paquets de cartes. Bon, le garde, je vais juste l'ouvrir comme fou, là. Que hier, je me suis ouvert une boîte de kit cartes. J'ai vraiment ouvert au complet comme ça, là. Eh ouais, même kit 4 là. Bonne kit 4, bonne kit 4, bonne kit 4. Base. Là, on devrait avoir une carte là. Oh, non, base. Et là, je peux pas croire. Il y avait une variation, je viens de la voir. La variation de GT. GT Comfort. Donc, elle est en français. Donc, Avalanche du Colorado, t'as une carte en français, s'il vous plaît. Donc, Colorado, Mathieu Bourdeau, qui nous a dit tantôt, lâchez pas les gars, c'est que c'est votre setup. Ça fait plaisir, on lâche pas. Nous autres, les boys, on lâche pas. Nous, les boys, on va faire la toune d'Éric Lapointe. Ok, Predominant Artery, Panarin, New York. Hey, putain, bah ouais, il me semble que j'ai souvent dit New York. Fait que je pense que la chanson, c'est vraiment les gars de New York. Mais là, il nous faut la Laffy, là. Il nous faut la Laffy, là. Tain. It's up to you, New York. Ah. Une petite Eric Stahl UD Canvas Mini Sota. Et là, je vais mettre quelque chose au clair. Ça peut être un débat qu'on n'aura pas dans le chat en ce moment, là, mais qu'on va avoir. On va pas un topic là-dessus, un petit post pour qu'on ait un débat. Là, quelqu'un, mettons que quelqu'un a une carte des Jets de Winnipeg, mettons de Teemu Selänne, son année recrue, ok? Est-ce que cette carte-là va aux Jets de Winnipeg ou elle va aux Coyotes? Moi, je dis qu'elle va aux Jets de Winnipeg. Parce qu'elle allait aux Coyotes, comme par exemple l'Avalanche, s'en va. Nordique, ça va à l'Avalanche parce que par défaut, ça va à l'Avalanche parce qu'il n'y a pas d'équipe à Québec. Hein. Il n'y en a pas. Là, tu sais, comme elle est revenue, tu comprends? Genre, Teemu Selänne, il s'en crisse de l'Arizona, il n'a jamais joué là. Puis il ne fait pas partie des ligues du tour de l'Arizona, il fait partie des ligues du tour des Jets. Et je considère aussi, donc une petite checklist, je considère aussi que les North Stars vont aux Stars de Dallas et non aux Wild du Minnesota, même si les North Stars étaient à Minnesota. Parce que là, c'est comme un nouveau chapitre, un nouveau livre qu'on commençait. Tu comprends? C'est pas la suite du livre qui avait commencé avant. Là. Maple Leaf, Timothy Liljegren. Pour Toronto. Toronto qui appartient à Charles Bélanger. Donc là, je vois que Nicolas est d'accord avec moi, donc tant mieux. Donc là, nous, on va mettre quelque chose au clair là-dessus. On va aller dans la foire aux questions. On va mettre ça dans les règlements parce que ça me tente pas de gérer ça. Imaginez là, une Selänne, chronologie, Letterman, signé sur 15. Là, faut que tu t'astines avec les gars. Ah! Oh! J'aime mieux que ce soit dans les règlements, puis que ce soit ça, puis que ce soit ça. Puis, savez-vous quoi? Je pense qu'on va faire un sondage. On va faire un sondage sur le groupe, puis ça va durer une journée, puis après ça. Et on continue. Donc là, on est rendu à 4 Young Guns. Il nous en manquerait seulement 2. Mais il reste quand même beaucoup de paquets, donc ça me laisse peut-être croire que peut-être qu'on va avoir une canvas. Ouh là 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 là. Une chance que j'ai des grands bras, moi. Putain, barouette. Hein? J'essaie d'aller trop vite. Canvas, Thomas Chabot pour les Sénateur d'Ottawa, désolé pour ceux qui ont peut-être eu peur. Là. Donc, mais il n'y a rien arrivé. Le Finlandais Alexander Barkov pour la Floride. Donc, les Panthers Jeff Fouché. Rudy Canvas, Tyler Benson pour les Oilers d'Edmonton. Gros team qui peut être payant se rendu dans la SP, dans la chronologie, puis même la Ultimate. Plus la chronologie puis la SP, je pense, en ce moment, malgré que la Ultimate, tu peux sortir une autre belle carte, là. Ultimate Shield de McKinnon. Il n'y a pas que McKinnon avec David, là. Ouh.
Drew Doughty, ici, Predominant, Los Angeles, David de Bernard. It's up to you, New York. New York. Yeah. Hey, mais belle carte, là, les Rangers avec Cop Component ici, là. Super. Super belle carte. Clear car, Cop Component. Ça, c'est un case hit, ça. C'est plus qu'un case hit, là. C'est plus rare qu'un case hit. Beau hit, ça. Donc, laquelle tu parles, Marianne? T'as-tu juste taqué le joueur parce que je vais aller voir, mais non, il n'y avait pas de jersey dans ce que j'avais là. La jersey, c'est une pick! Sébastien Paré, c'est quoi la deuxième chance? C'est. Si t'as pas hit une rookie sur ton spot, si t'as pas hit. Si t'as pas hit une rookie, une numérotée. Si jersey, signature. Donc tu vas pouvoir peut-être regagner la valeur de ton spot éventuellement dans un tirage avec les autres dans ton break qui n'avaient pas non plus ni de rookie, ni de numéroté, ni de jersey, ni d'auto. Donc il y a des fois des cartes là, tu sais, comme celle-là, on. Vu qu'elle n'est pas dans ce qu'on a dit au début, ben tu pourrais participer à la deuxième chance, même si c'est une plus grosse carte que probablement une numérotée. Là. OK. Donc là, on devrait avoir une jeune loup. OK, les gars, on devrait avoir une jeune loup. Parce que là... Ah non, Chris. OK, non. D'abord, c'est correct. J'en ai... Je pense qu'il reste deux Young Guns. Je refais le tour des bases que j'ai mis sur le côté. Ça va prendre 2 secondes. On vérifie toujours après au cas où il y a une petite erreur de même qui s'est produite. Mais là, j'ai aucune jersey. Quand même, je vous l'ai montré pour être certain. Là. Donc, ça ici, c'est toutes les bases que j'avais. C'est toutes des minces. Puis la jersey, elle serait une. Tic. Donc il n'y en a pas malheureusement. Donc mais bon Yann, on a trouvé la raison pourquoi que tu pensais avoir 3 spots. C'est parce que ça réserve pas passer par le Ryan McLeod Edmonton. Young Gun Rookie pour Edmonton Young Gun. Donc ça compte comme un hit en passant. Okay. Ouais, mais là, je veux dire, ça arrive, là. C'est déjà arrivé que... les premières fois, là, mettons, les premiers bolts que Hugo, il breakait de Sirion au début quand ils sont sortis, il savait pas qu'il y avait des variantes. Fait qu'il en a passé une coupe au début, hein. Fait que ça arrive, on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Fait que c'est pas ben grave, là. On s'entend, hein. Quand t'avais pensé que t'avais vu un jersey, c'est mieux que tu me le dis. Oh, UD, Canvas, Young Gun, Bowen, Byram. Ça, c'est une belle carte pour Colorado. Hein? Une Young Gun qu'on veut avoir, c'est bien celle-là. Hein? Donc, une petite Byram, Bowen, Byram. Et on va la mettre. Colorado, Mathieu Bourdeau, ça, c'est une très belle carte. En plus, ça va prendre de la valeur. Ça va prendre de la belle valeur. Parce que... Championnat du monde s'en vient. Il joue, lui, avec eux autres, là. Il joue avec Team Canada, là. C'est pas un pied de salarié, ce gars-là, là. Fait qu'il va, il va produire. Et sa valeur va... Predominant ici, Carl Palmieri. Ouais, ouais, hein. Predominant. Ouais, Carl, un peu. Pas tant que ça. Correct. New Jersey Devil. Yann Larouche. Son seul spot. Dommage. Il est passé à 2 cheveux d'en avoir 3. Mais au moins, il a gagné le mini. Imagine, t'avais perdu le mini. Comment t'aurais été déçu de voir que t'avais aucun spot, mon ami. Hein? Connor Hellebuyck. UD Portrait. Winnipeg.
Et là, on arrive à une petite République tchèque. Monsieur Voracek, Jacob de son prénom, Flyers de Philadelphie. Et lui, là, c'est fou comment ça a pris du temps avant qu'il devienne une machine, mais depuis qu'il s'est établi dans la ligue, là, 90 points. 90 points. Et ici, notre chandail, Jake Gunzel. Hein? On a eu tantôt une petite sign in a time dans la SP que notre ami Hugo avait breaké tout à l'heure. On avait eu une petite signature dans sa boîte SP avec 5 signatures. Ça, c'est insane. 5 signatures dans la même boîte là, de SP, c'est assez insane. Bon, c'est rare qu'on voit ça. Hein? Et là, il nous en manque une, Young Gun, parce que les canvas sont pas supposés compter, puis je la vois en plus. Là, elle est là, je la vois. Ça en vient, elle nous appelle. J'espère pouvoir mettre ma petite tune de John Cena ou de Price is Right avec Vlad, avec Roger qui capote en arrière. Ça va être la prochaine carte. Oh non. Ça va être la prochaine. Pingouin, Pierre, Olivier, Joseph. Poge. Donc, une petite Pierre-Olivier-Joseph. Et on met ça dans un sleeve, on la met dans un top load. Et on va passer à la boîte suivante. Et good job, New York! On a peut-être pas eu une Laffy, mais on a eu une Cup Component. Rien de moins. Ça, c'est mes top loads ici. Mes top loads qui ont décidé de tomber de mon étagère. J'en avais besoin. Savez-vous pourquoi je vais les placer ici comme ça? C'est pas grave si vous la voyez. Nicolas Bélanger qui se retrouve avec. C'est lui qui est à New York? Non? Qui est à New York ici? Nick Bélanger, qu'est-ce que t'as? T'as Pittsburgh! Puis t'as Ottawa. Ok, donc c'est la première que t'as. Félicitations. Ouais, mais mettons là, Jean-François, là. Mettons là. Ils ont pas amené les bannières de Winnipeg à Arizona. Les bannières des Jets d'avant sont encore en haut dans le top des Jets d'aujourd'hui. L'histoire des Jets d'aujourd'hui dans les livres tours, ça va être les Jets étaient ici de telle année, ils sont partis, ils ont été achetés parce qu'il y avait plus d'argent et ils sont revenus quelques années plus tard. Ils ont gardé le même nom. S'il n'y avait pas le même nom, je dirais que je serais pas d'accord. Mais bon, on pourrait en jaser longtemps, j'ai l'impression. Donc, on va passer à la petite SP. Tu sais, je pense que ils vont dire. Je pense pas qu'il va y avoir la bannière de Témousselané retirée en haut dans l'histoire des Jets. C'est plus ça, mon histoire. Fait que là, toi, tu penses que le numéro de Célané, mettons, qui est retiré, va être retiré en Arizona, mais pas à Winnipeg. Parce que ça a plus rapport avec vous. Ça a plus rapport avec la nouvelle équipe de Winnipeg. Par défaut, c'est ça que je disais tantôt ma lettre, par défaut, à savoir l'équipe où ils sont déménagés, par défaut. Mais je suis d'accord avec toi, là. Là, ça fait que les Jets se retrouveraient avec Atlanta, puis en plus. Mais c'est pour ça que je vais faire un topic. C'est pour ça que je vais faire un post. On va en discuter tout le monde ensemble. Pour qu'on puisse faire un sondage. Parce que si, mettons, Atlanta revenait, là, je serais d'accord à ce que ça retourne à Atlanta. S'il s'appelait pareil en plus. Parce que le Wild, je suis pas sûr qu'ils ont gardé. Mais il n'aurait pas pu s'appeler non plus les North Stars parce qu'il y avait déjà les Stars. Ouais. On fera un petit sondage, on verra ça. Ça risque d'être excitant. Oh, c'est dumb, c'est juste. Quelqu'un est venu me poser la question. C'est pas arrivé dans le no break. Mais c'était savoir
mettons une telle année recrue, Jets, c'est en chronologie ou peu importe, ça va à qui? Ça va-tu aux Jets ou ça va à Phoenix? C'est ça la question. Donc on y va. On commence avec une petite update pour Tristan Jarry, le gardien d'avenir des Pingouins. Pittsburgh. Pour les Pingouins. Base. Et là j'ai trop de choses ici là. Non, mais il y a quand même matière à débat, fait que... Non, mais mettons, Sonny, Peter Stachny a jamais joué au Colorado, mais les cartes des Nordiques vont aller à Colorado par défaut parce qu'ils n'ont pas d'équipe à Québec encore. Mais s'il y avait une équipe à Québec qui se rappelait les Nordiques... Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, faudrait aussi envoyer toutes les cartes des North Star, comme le Wild, mettons, là. Les cartes des North Stars, on les envoie aux Stars. Mais ils sont au Minnesota quand même. Fait que tu comprends, genre. Et on y va. Et ça, c'est un débat qu'on va avoir. Nico Hischier Limited Red One, les Devils New Jersey. Belle carte. Oh, on a une petite Young Gun ici. Update. Monsieur David Harris. Young Gun pour les Kings et la Caroline. La Caroline, c'est une équipe qui appartient à Simon Bédard, qu'on salue d'ailleurs. J'espère que tu passes une belle soirée, Simon. Les Authentic Winners, Jack Hughes pour les Devils. Donc, deuxième hit des Devils après la Nico Hischier Red. On a une petite... Jack Hughes. Et là, je pense qu'on tombait justement dans des cartes régulières. On va les placer avec les autres bases. Oh, attends une minute, il y en a avant, tu vois. Je pense qu'on va notre première signature. Oh, je pense qu'on a une signature. Espèce essentielle pour les Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto. Charles Bélanger. Donc, ça, c'est à toi, Charles. Hey, c'est incroyable, cette histoire-là. Evgeny Malkin, Spectrum pour Pingouin. Nice hit, ça. Belle carte. Mais pourquoi c'est... Je comprends pas pourquoi les Selanne irait aux Ducks. Je veux dire, c'est quand même... Il est pas allé quand il était recru. Il était pour les Jets recru, puis les Jets ont fucking déménagé à Phoenix. Non? Ouais, je te souhaite ça, David. Une petite Cody Glass Future Watch Auto. Incroyable la Young Gun, man, du chauffeur de taxi. Man. Oliver Malmstrom, Future Watch, nice hit ça, la 946e print. Nice watch, Future Watch Islanders, gros hit ça. Monsieur Leblanc, il se part avec la petite signature, Future Watch. C'est pas un pied de céleri, là, lui, là. C'en a un pas pire, là. Nice one. Yes. Petit Oliver Malmstrom. Et voilà. Nice it. On va prendre la petite passe de monsieur.
Oh, Kaden Primo, ben non! Beau petit hit, ça, mon chum, Montréal! Ben oui, Sonny Dubé! Kaden Primo, la 646e print sur 999 Future Watch! Ben oui, Mario est content! Mario est content! Mario, il est content! Si, yes sir, mais le gars en plus là, qui crie en dessous de lui, qui ressemble un peu à Derek Brassard, il crie plus fort que lui. Donc, nice hit! Ben oui, ça commence de même, puis après ça finit plus les hits là. Let's go, Montréal, si. Vois, j'ai encore passé des cartes en dessous, hein. Bon, je vais faire ça demain, d'abord. Ben, Lan Lan, en passant, là, LP, là, c'est le nom que t'as écrit quand tu t'inscris sur la boutique en ligne. Fait que c'est le nom que j'ai, moi, dans mes fichiers quand je t'envoie du courrier, là. Fait que, je t'avertis, c'est ça qui est écrit, tu peux le modifier. Tu peux le modifier, jusqu'à moi, je vais juste écrire le nom qui est marqué, hein. On continue. Oh, Future Icon sur 199 seulement. Elias Pettersson et Quinn Hughes. Ben oui. Bam, bam. Yeah, Miami. Miami. Nice hit, là, Vancouver. Vancouver. Si, le frère de l'autre en plus, Sébastien Brassard. SBS. Donc, nice one. J'ai plus rien pour placer les cartes. J'ai trop de cartes ici. Oui, parce que je le sais. Parce que je le change d'habitude. Genre, quand je copie. Là, j'ai copié-collé toutes les affaires. Ou je vais le plus vite que je peux. Là, fait que, mais tu iras voir ton profil. Ouais, ou tout ce que tu vas recevoir en passant, là, LP, par la poste, ouais, ça va être écrit Linland, Linlac. Une petite corner brown ici, update pour les sénateurs d'Ottawa. Les ronflants, c'est comme ça qu'ils s'appellent, JC. Corner McDavid base. Authentic moment, Carey Price, lorsqu'il est devenu le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire des Canadiens en 2015. Mais tu sais, pour venir au débat, là, revenir au débat, Monsieur Mallette, là, au fond, là, à la fin, là, tout ce qu'on veut, là, c'est des bisous. Hein? Donc, comme ça qu'on est ici. Et on y va. Il reste seulement 6 paquets. J'en ouvre 3 là. Il en reste 3 après. Young Gun, Adam Johnson pour les Pingouins de New York. Et on continue. On continue. SP Essential, Brock Besser, l'ailier droit, l'ailier de puissance des Canucks. Il va aller rejoindre ça, là. Elias Pettersson, Quinn Hughes, Brock Besser. La business, eux autres. Quand tu parles d'une équipe jeune, de l'avenir, là, ça c'en est une. Plus que le Canadien. Drew Doughty. Limited Red. Des fois, on dirait que genre. Je gère mon souper pendant que je fais des breaks. J'étudie Pingouins de New York, c'est une nouvelle équipe. C'est une autre équipe, ils ont joué là de 1918 à 1924. Il en reste plus long là, il reste deux petites boîtes à ouvrir après. SP Authentique, Oliver Bongstrad.
Une Future Watch sur 999, Cal Flurry. Elle est pas signée par contre, mais là, tabarouette, hein? C'est la boîte du Canadien, ça? Future Watch, Kellen Primo signé. Ensuite, une numérotée, la 341e print, Cal Flurry. Nice. Ça me sonne du B grillé, là. Il est grillé en ce moment, là. Grillé, c'est avec les Canadiens. David Pastrnak, les Bruins de New York, update. Et là, il nous reste seulement un hit. Est-ce que c'est une signature? Parce qu'on n'a pas eu de Thing of a Time. Est-ce que ça pourrait être ça? Ça serait le fun. Mais là, faut pas trop en demander. La notre boîte, est-ce qu'il y en avait 5? 5 que Hugo l'a fait. Ouh, c'est excitant. Authentic Moment, Tukarask qui a gagné 4-2 contre les Blackhawks dans la classique. Ok. Ok, c'est juste une cagnotte. Donc, c'est la dernière carte de la boîte. Donc, hey, on a eu quelques. C'est des belles signatures. Kellen Primo, Olivier Malmstrom, la Future Icon numérotée, la Kale Flurry numérotée. On aime ça. Donc, hey, oui, je suis accro à New York, man. Man, il me pique des fois une dose de New York dans les veines. Donc, on va y aller avec la Ultimate. Je vais vous montrer son code. La 527. Et on y va. Et savez-vous quoi? Là, on est rendu au moment où je peux en mettre 4 stems. Ça dérange pas, là. Puis que j'accroche ma caméra. Puis que tout va bien, là. Ok. Donc, on y va pour la petite Ultimate. Des bisous! Allez les gars, arrêtez de vous chicaner là! Non, je sais qu'il y a personne qui chicane. Ok. Faut que j'arrête de mettre cette tune là. Moi je l'aime, tabarnak. Comment ils sont à l'envers là? Et voilà, ils vont comme ça. Ok, donc, hey, on en a une quand même très tic. Est-ce que j'ai hâte là, de repogner ma deuxième Ultimate Shield? Ça serait le fun. Ça serait le fun, c'est un moyen temps, man. Donc, la première carte qu'on a, on a une petite Victor Adversun sur 149 seulement, la 120e print, ça s'en va à mon cousin Dominique Caron qui avait Nashville, tu es vraiment un prédateur tantôt. Ben, tu te retrouves quand même avec une petite carte de Victor Arvidsson. Tabarouette, Sébastien, si. Je t'ai sorti une coupe de hits à date, là, Sébastien. Si ça prend plus que ça, je pense que je suis sorti des hits. Et toi, Vancouver, t'as eu des belles cartes, là. Si je suis pas ton main crush avec les belles cartes. Elle est incroyable cette tune-là quand même, hein. Je sais pas si t'as déjà vu le clip, est encore meilleur. Le clip est encore meilleur, Sébastien, que la toune. Ensuite, on a une petite Rookie Ultimate Jersey, Kirby Dak. Hein? Bonne carte, ça. Kirby, Marianne, Charlie Bélanger, It's Your Birthday. Non, It's Your Birthday. Ça aussi, il devrait avoir une toune. Devrait l'avoir, la petite toune. Juste le... Non, on va mettre ça là, on va mettre la place de Vancouver, malheureusement. On va pas dire que c'est meilleur. On va aller en dessous. Je sais pas c'est quoi, pardon. J'ai de la misère à la pogner. Je suis pas capable de la pogner. Si je vois rien, tabarnak. On y va.
Qu'est-ce qu'on a? On a une petite signature de Kaden Primo! Une deuxième ce soir! Sonny Dubé! Tabarouette! C'est quoi les chances? J'ai jamais vu de Kaden Primo à peu près, pis là j'en ai deux cartes! Ben oui! La septième print seulement du paquet. On la met dans son petit sleeve. On la met ensuite dans un top load pour bien la protéger. Et là 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 là. Et on a une signature identique. Mais tu vois que là, il y a eu un peu plus de misère. Le 3, là, il y a eu un peu plus de misère. Mais waouh 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 waouh! Incroyable! Incroyable, mais vrai! Vous l'aurez su ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite signature de Mikael Rasmussen. Ultimate Rookie. Autographed Art Sign sur 175. Ben oui! Hey, c'est bon, c'est bon! Oui, Vas-y, Rogers! Là, là! Ok, donc on va passer à la suite. Hein. Donc, très belle carte là, des trois là. Sébastien, Chris. Là, t'es mieux d'avoir un man crush chez moi là. Tu peux les hits, je te sors là. Donc, ça va prendre la place de Monsieur Markstrom. C'est vraiment une kick card en plus là. Check. Comparé à une normale là. Puis mettons. Une tick qu'on avait tout à l'heure un peu là, regarde. C'est la grosseur entre les deux là. Tick, tick! Tick! Donc on va aller voir la dernière boîte qui nous reste, la chronologie. Est-ce qu'on va réussir à battre la Cup Component? Est-ce qu'on va réussir à battre la Kaden Primo sur 225? On l'espère. Est-ce que Montréal va encore sortir? On sait pas. Ben sur d'autres groupes, t'as vu, c'est correct. Mais... Moi, je m'en calisse des autres groupes, je vais esti faire un sondage. Puis le sondage, il va décider d'en. Je te gagne même. Le sondage, moi, je suis pour le pep. Mais je comprends, c'est pour ça, je sais qu'il y a un débat à avoir. Là. J'aime mieux avoir un débat là-dessus qu'avoir un débat sur les masques, là, puis là, que le monde veille tout tabarnak, parce que là. Moi, j'ai pas d'opinion ici. Ok! Ok. Ok. Pour de même. Et là. En tout cas, on a une tick card. Ça me semble être une litter main. Et ensuite, on va avoir trois cartes. Donc, trois cartes minces. Et on va aller faire ça de suite, les boys et les girls. Boys and girls. Peu importe qui vous êtes. C'est pas grave. On check ça. Une Michel Goulet signée! Ben oui, Timeless Memory! Ben oui! Ben oui, sur 10! Ben oui, sur 10! On la met! Colorado, Mathieu Bourdeau! Bonsoir! Elle est partie! Réro! On danse, on chante! Incroyable! Fucking incroyable! Mario est content, Drake aussi! On la place entre les deux. On va même mettre un collant pour être sûr qu'attends. Parce que je l'ai mis dans une plus grosse. Parce que ça peut pas rentrer dans une normale. Je l'ai mis dans une 100 qui est trop grosse. Faudrait la mettre dans d'autres choses. Mais on va la mettre comme ça ici tout de suite. Et voilà. Michel Goulet. Toi, tu vas vraiment prendre la place de celle-là. Ok. Incroyable carte. Le but était-il bon? Est-ce qu'il était pas bon?
J'étais en feu à soi, man. Deux secondes, esti. Est-ce que j'en prends deux en même temps? Ah, j'en ai pris deux encore en même temps. Ou pas. Ok. On a notre Troy Murray pour les Blackhawks de Chicago dans le temps qu'il avait toute l'air des fucking tough, man. Troy Torrey qui était centre, qui a joué 915 parties, 584 points et 875 minutes de punition. C'est un tough, hein? Donc, c'est un tough. Avec le logo, qu'est-ce qui était pas mal plus laid dans le temps, le logo, hein? Mais le même, les épaulettes, mais je trouve vraiment belles. Chicago! Marianne! Marianne! Shorty Boulanger! Et là, on met ça là-dedans tout de suite. Ok, tabarnak! Voilà en dessous. C'est ce qu'on a ici. On a une petite Brock Bezzard. Et les coins sont pas bien beaux. Donc, je sais pas si tu peux le voir un peu là. Ils sont pas si épais, mais ils sont blancs. Celle-là ici aussi. Yeah. Mais sinon, Brock Bezzard, là, ça fait la deuxième Brock Bezzard qu'on a ce soir. Tout à l'heure, j'ai dit son nom. Je pense qu'il est sorti dans la Ultimate. Ça se peut-tu? Ben oui, si, je pense que ça sortait dans l'Ultimate tantôt. Pas mal sûr que ça sortait dans l'Ultimate tantôt. J'avais dit, il va aller rejoindre ses amis, là. Il va aller rejoindre ses amis. Là. Il est top load, hein. C'est tout en train de tromper. Faut être sécuritaire, ça tombe tout de suite. Brock Bezzard, et on va terminer avec une Letterman. Est-ce qu'elle va être signée? C'est ça qu'on se demande. Elle va-t-elle être signée, puis ça va être à qui? Ça va être à qui, ici? Top l'autre tombe encore. Top l'autre comme tout le temps. C'est dans une petite boîte de cheap. Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite chronologie, Letterman, de Zach Parise, le R. Hein, la troisième lettre de son nom sur 35 pour le Wild du Minnesota qui n'attendait plus aucun hit, le monsieur Grenier qui avait déjà abandonné. Persuadé qu'il a quitté. Qu'il a quitté. C'est une timeless memory. Je vais vous le remontrer, inquiétez-vous pas. Ça va être une c'est une timeless memory, JP LP, pour répondre à ta question. C'est une Timeless Memories, la Michel Goulet, sur 10! Seulement 10! 10 exemplaires seulement. Tabarnak de Boyette pour Colorado. Mathieu Bourdeau, hein. Mathieu Bourdeau qui a dit qu'on était le meilleur groupe de break tantôt. Ben oui, si. Si tu veux. C'est carré. Donc, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Les potes! Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui qui vaut la peine qu'on les regarde à nouveau, hein? On a eu une petite Andy Young Gun, la petite Pierre-Olivier Joseph, la Fran McLeod, Timothy Lindgren, la Tyler Dillingria, la Ex-Belzile, la Egor Zamboula, la Syria. En Syria, on n'était pas, on avait une petite surprise, on avait une Young Gun Canvas pour Colorado, Bowen, Barham, nice. Hein? Ensuite, on est allé avec une petite Ultimate, oh non, pas avec l'Ultimate, on est allé avec la SP. La SP. Qu'est-ce que tu cachais dans la SP? Ben non, SP, j'allais oublier celle-là! Dans la série 1, la Cup Component, la Mike Richter, Marc Messier. Ça, c'est un nice hit pour nos amis de New York. Ensuite, dans la SP, on a eu une petite Future Icon, Quinn Hughes, Elias Pettersson, mais sur 199 seulement. On a eu aussi une Carl Fleury sur 999 Future Watch Auto. On est passé ensuite à une Oliver Markstrom auto aussi sur 999 les Islanders. On était pas au bout de nos peines. Est-ce qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Une Future Watch Caden. Oh! Oui, mon chat. Art time. On est passé à les Ultimate. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu belle signature sur 175, Mikael Rasmussen. Une Kirby Dak jersey. Hey! Qu'est-ce qui s'est pas sorti? Un autre Caden Primo! Caden Primo là maintenant sur 225, deux signatures dans la même, dans le même break pour Caden Primo. Incroyable moi. Hein? Après ça, on a vu la chronologie. On a vu une petite Brock Bezzard, une petite Troy Murray Auto, une légende de Chicago. On a eu notre belle lettre de R
Puis Minnesota, 4 ans d'être plié, 4 ans d'être rien. Mais finalement, ils ont eu un beau petit hit. Mais regarde ici, là, regarde. Peut-être que c'est logique, ce que tu vois, là. Regarde. OK? Donc, il y a eu celle-là. Mais le gros hit, le gros fucking hit de la soirée, le Van Mulot, un ancien Nordique, défoncement de son but était bon ou pas. Michel Goulet, Auto, Trilogie, Timeless Memories, ailier gauche. Seulement 10 exemplaires, le 5e au total. Good job, Nordique. Bon, je vous aime. Je vous aime, Charles.